Beaucoup d'empreintes, sûrement celles de l'équipe de recherche. Bri a dit qu'ils avaient trouvé l'instrument de sa femme ici. L'équipe de recherche a conclu que le corps de Kalae avait été emporté par la rivière. Pourtant, de là-haut, cet arbre l'aurait retenu. Je ne crois pas qu'elle soit tombée. Je devrais aller voir le promontoire. Ils ont dû rater quelque chose. On dirait que l'équipe de recherche a pris le sentier sous l'arche de pierre. Il doit monter jusqu'au promontoire. Débris. C'est cassé depuis longtemps. Pourquoi j'ai l'impression que cette piste ne sera pas facile à suivre ? Une ancienne piste tout à roue. On dirait que c'est ici que le rite de la découverte a commencé. Il y a des débris. On dirait les restes d'un pont. J'ai l'impression qu'il est tombé il y a longtemps. Peut-être une tempête.
Une bonne partie de la piste s'est effondrée. Kalae a dû grimper, elle aussi. Si Kalae est arrivée au sommet, c'est qu'elle était douée en escalade. Je comprends pas pourquoi elle serait tombée. C'est sûrement le promontoire. On dirait que Kalae a fait quelque chose sur cette table de pierre. Je devrais regarder. Voilà Mélopée, telle que les premiers Outarou l'ont vue. Des fleurs, réduites en poudre colorée. Kalae a dû faire ça dans le cadre de son rituel. Je devrais fouiller les environs. Mon focus m'aidera à comprendre ce qui lui est arrivé. L'équipe de recherche est bien montée jusqu'ici. Il y a trop de pistes pour identifier celle de Kalae. Ces fleurs ont des traces de quelque chose sur leurs pétales. La teinture que portait Kalae. Ça a laissé une sorte de piste. L'équipe de recherche n'a pas pu la voir, mais mon focus la captera. Voilà la piste de teinture. On dirait qu'elle s'éloigne du rebord de la falaise. Bri a dit que ça faisait partie du rite de la découverte. Toutes ces marques sont anciennes. Kalae n'a pas dû arriver jusque-là. Mon focus verrait peut-être quelque chose. Deux corps? Il doit y avoir Kalae, mais... qui est l'autre femme? Kalae... ses marques sur son cou. Elle a été étranglée. Au moins, je vais pouvoir rapporter sa bourse à Bri. Donc la tueuse a dû essayer de pousser Kalae de la falaise. C'est pour ça qu'ils ont trouvé son instrument près de la rivière. Mais Kalae a résisté. Alors la tueuse l'a étranglée, avant de la traîner ici.
Bien. Allons récupérer la bourse de la tueuse. Ça peut m'aider à l'identifier. Amélope, Fein et Kel pourront peut-être me dire à qui appartenait cette bourse. Nous pleurons tous la mort de Kalae, mais il est peut-être temps. C'est à Kalae. Tu l'as trouvé. Bri. Kalae n'est pas tombée. Elle a été tuée. Quoi ? Je suis montée au promontoire. J'ai trouvé Kalae et le corps de la femme qui l'a tuée. C'est impossible. L'équipe de recherche a fouillé partout, il n'y avait rien. Les corps étaient dans une autre clairière. À l'écart de la zone fouillée par l'équipe. Un tracker l'a attaquée. Pendant qu'elle essayait de cacher le corps de Kalae. Qui était-ce ? J'espérais que tu le saurais. J'ai rapporté sa bourse. Elle appartient à Lina. L'apprenti de Kel. Je ne comprends pas. Pourquoi elle aurait fait ça ? On peut demander à Kel. Mais elle... Toi, là ! Où est Kel ? Je l'ai vue sortir par la porte Est il y a une heure. Elle rentre chez elle. À Estivan. Elle s'est enfuie ? Elle doit être jugée. Je la rattraperai. Où est cet endroit ? Cherche le village en ruine près de notre frontière sud. C'est là qu'elle a grandi. On rassemble la garde et on te retrouve là-bas. Voilà qu'elle. Qu'est-ce qu'elle tient ? Maintenant, tout le monde est au courant. Ce n'était qu'une question de temps quand tu es monté sur cette falaise. Tu étais aux côtés de l'homme dont tu as fait assassiner la femme et tu lui as dit de tourner la page. Je n'ai jamais voulu que ça se passe de cette façon. Alors pourquoi ? Kalae avait semé les graines de la discorde. Elle voulait que les Outaru abandonnent Mélopée, que l'on quitte notre foyer.
Si elle avait convaincu les autres, les conséquences auraient été pires que n'importe quelle maladie ou machine. Alors tu l'as fait tuer ? Il existe un ordre naturel des choses. On croit, on flétrit, on meurt. C'est dans la nature du monde. Un arbre ne peut déterrer ses racines. Alors j'ai éliminé le danger qui nous menaçait. Et je l'ai fait à contre-cœur. Mais c'est terminé maintenant. Je vais veiller à ce que tu payes pour toutes les souffrances que tu as causées. Trop tard. Deux vies ont pris fin. Au moins, tu paieras de la tienne. Mon choix. Tout ça, c'était ton choix. Non! Elle devait être jugée. Kalae mérite la justice. Elle est morte, Brie. Justice a été rendue. C'est peu, mais... Prends ceci. Merci. Je n'aurais pas à passer ma vie à me demander ce qui est arrivé à Kalae. Que l'Aniel m'emporte. Trois de nos camarades sont mortes. Et pourquoi ? Je dois bien l'avouer. Je ne voulais pas que tu te mêles de ça. Mais à présent, je crois que je dois te remercier. Pour avoir diminué l'emprise de la moisissure. Je regrette que ça soit passé comme ça. Au moins, sans cette moisissure, les nouvelles pousses grandiront. Je veillerai à ce que l'on s'occupe de la dépouille de Kel. Aloy, bienvenue. Qu'aurais-je ou bien ? Je ne dirais pas qu'être aveugle est un atout, mais ça lui a permis de découvrir sa vocation. Les Outaru ne font pas le poids face aux Ténak au combat, mais ils connaissent la valeur du champ. Tu as revu Sokora ? Pas encore. Si tu la vois, pense à lui dire que ce vieux fermier prend bien soin de son frère. Sans faute. Est-ce qu'elle te manque, ton ancienne tribu ? J'oublie pas. Mais j'ai pas de regrets. Ma place est ici. Que le sol fleurisse sous tes pas. Les champs, les enfants. Les Banouk peuvent survivre au gel, nous aussi. Oh, Aloy, ton amie Karja est passée. Elle s'est rendue à ce camp au Sieram que vous cherchiez, au sud-ouest. Toi !
Laisse-moi te regarder un peu, étrangère. Ne rate pas cette occasion de faire affaire. Alors c'est toi, l'étrangère, qui s'est opposée à Regala et ses rebelles ? Oui, enfin, si c'est une bonne chose. T'inquiète pas, je vais pas boire ton sang ou toute autre stupidité que racontent les Orientaux. Le massacre de l'ambassade n'était pas ton combat, mais tu as aidé les maréchaux. Au vu de tout ça, tu n'es pas une ennemie des Ténacs. Mais tu vas avoir besoin d'aide si tu veux survivre dans les terres des clans. Je vois et j'entends beaucoup de choses en tant qu'éclaireuse. Je peux t'informer pour faciliter ton voyage. Ah oui, je veux bien. Alors ? On dit que les rebelles veulent ta mort, étrangère. Mais je connais quelqu'un qui acceptera peut-être de t'enseigner des techniques de combat. Son nom est Liroquet. Il entraîne les soldats de Lance Ardente à l'ouest d'ici. Il aura sûrement envie de voir la championne en pleine action. J'irai peut-être le voir si je passe par là-bas. Je n'ai rien à t'annoncer. Reste vigilant. Rapproche de l'emplacement des terres. Gaïa a dit que ce serait un genre de processeur physique. Serait à l'intérieur ? Ça va pas être simple de fouiller avec tous ces guerriers Ténacs. De nombreux soldats sont morts. Et l'armée de Regala se rend... Les forces de Regala sont peut-être impressionnantes, mais... Ces machines ont éliminé toute mon escouade. N'oublie pas les visions. Les anciens n'ont pas choisi leur combat, mais ils ont pourtant tenu bon. Ils n'ont pas faibli. Et nous non. Par le sang des Dix, tu es venu à nous. Tu sais qui je suis ? La guerrière aux cheveux embrasés qui a vaincu le champion de Regala à Cagnard. Oui, nous te connaissons bien. Je suis Deka, chapelaine du clan de la Plaine. Tu es venu parler au chef Ekaro ? Pas exactement. J'ai besoin de quelque chose ici. Le chef te fournira tout ce dont tu as besoin. Viens. C'est l'une des visions dont tu as parlé ? Oui. Les archives des Dix. Je peux te les montrer, si tu veux. En allant voir le chef. Ces visions, tu dis qu'elles sont les archives des Dix. Qui sont-ils ? Des anciens qui ont combattu les machines lors d'une bataille sur cette même terre il y a longtemps. Leurs exploits sont comptés dans les visions. Ou du moins ce qu'il en reste. Pour être célébrés et nous inspirer. Tu veux dire qu'il y avait d'autres visions ? Oui, beaucoup. On pouvait en voir partout autrefois ici. Mais au fil des ans, elles ont fini par se taire. Une par une. C'est pour cette raison que les chapelains jouent un rôle vital. Nous essayons de nous souvenir des visions, gravées en nous et transmises par la parole de génération en génération. Un jour, tout le bosquet sera éteint. Mais son héritage restera gravé dans les souvenirs des chapelains. Pourquoi Ekaro veut me voir ? Nous sommes en guerre contre Regala. Et tu as déjà prouvé que tu pouvais t'opposer à elle. Je ne suis pas là pour me battre pour vous. Non, pas pour nous. Avec nous. Mais je n'essaierai pas de te convaincre. C'est le rôle du chef. Il est très persuasif. Quel est le rôle d'une chapelaine ici ?
Ceux qui survivent à leur jeunesse étudient les visions et partagent leur sagesse avec les jeunes. Quel genre de sagesse ? Se comporter en guerrier. Combattre en faisant preuve de courage et d'honneur. Et savoir quand demander la paix. Tu verras par toi-même quand on entrera. D'accord. Allons voir le chef Ekaro. Il est dans la salle du trône, au fin fond du bosquet. Entre. Sois la bienvenue dans les archives des Dix. C'est corrompu. Incomplet. Les Dix étaient des soldats déterminés qui coopéraient en escouade et se partageaient le travail. Quand le moment de la bataille est venu, ils se sont envolés pour atteindre la gloire. Tous les Ténacs suivent leur exemple. Avant le chef, c'était l'un des rares points communs entre les clans. Pendant la guerre, les Dix ont escaladé la roche, bravé la neige et le vent mordant. Ils n'ont reculé devant rien pour protéger les leurs. Tu les considères comme invincibles ? Non. Mais les visions nous démontrent leur courage et leur force. C'est un exemple pour nos soldats. Le clan du Ciel admire particulièrement celle-ci. Il s'installe dans les montagnes situées au nord-ouest. Que raconte celle-ci ? Les Dix ont combattu leur ennemi dans la chaleur du désert, une terre trop hostile pour survivre. Mais contre toute attente, ils ont vaincu. Alors le clan du désert fait de même. Tu as dû traverser leur territoire en venant jusqu'ici. Oui. Ils ont l'air un peu extrêmes. Ils prendraient ça pour un compliment. Enregistrement de l'Ancien Monde ? Cette boîte qui est là parlait avec les voix des anciens. Des soldats dans une jungle. C'était eux, les Dix ? Oui. On peut détecter les balises de ces enregistreurs. Ça devrait m'aider à trouver ceux qui sont toujours dans la nature. Le chef est ici. Tu es prête à lui parler ? Je suis prête. Bien. Viens. Sous le trône. On se voit bientôt, étrangère.
La sauveuse de Méridian. J'ai cru entendre que tu avais protégé Cagnard des forces de Regala et triomphé de son champion Grouda en combat singulier. Impressionnant. J'ai aussi rencontré Fachav. Il m'a vanté vos talents de guerrier et votre honneur. Sa mort fut tragique pour nombre d'entre nous. Nous mettrons longtemps à nous remettre du massacre de nos maréchaux. Mais si tu es venu nous offrir tes services, notre tâche sera facilitée. Je ne veux pas me battre pour vous. J'ai besoin de quelque chose dans cette salle en bas. Une chose qui sauvera de nombreuses vies, dont la vôtre. Ce n'est pas quelque chose de visible, mais c'est bien là et... Je l'ai vu. Tu as donné ton prix. À moi de donner le mien. Mes maréchaux sont morts, j'ai besoin de ta lance. Aide-moi à vaincre mes ennemis, et tu pourras accéder à ce qui se trouve en bas. Il ne s'agit pas de mon prix. Je ne suis pas mercenaire. Je veux sauver des vies, plus que vous ne pensez. Je pense aux nombreux maréchaux tués. Aux très nombreux Ténac, qui risquent de mourir à leur tour. Je me battrai pour eux. Et je tuerai tous ceux qui menacent la paix, et tu feras de même. Si tu veux que j'ouvre la porte qui mène en bas. D'accord. En suivant cette logique, qu'est-ce qui m'empêche de vous tuer tout de suite et de prendre ce qu'il me faut pour sauver tout le monde? Essaie donc. Tu pourrais même y arriver. Dans tous les cas, tu te bats. Pour moi, tu préviendras le massacre que prévoit Regala. Bien. Je dois faire quoi? Il me faut plus de maréchaux pour diriger la tribu. De tels guerriers ne peuvent être promus qu'avec une épreuve appelée le Kulrout. J'ai invité la tribu à y participer. Mais si Regala veut saper mon autorité, elle va certainement y venir. Elle tentera de me tuer devant l'ensemble des clans. Vous voudriez que je vous serve de garde du corps? Non. Tu protégeras le Kulrout. Ce n'est pas tout. Redoutant l'attaque de Regala, l'un des clans rechigne à proposer ses candidats. Tu dois aller au nord. Et forcer tes côtés, le commandant du clan du ciel, à obéir et me les envoyer. Forcer à obéir? Fais ce qui sera nécessaire. Le Kulrout ne peut avoir lieu que si les trois clans sont présents. Le maréchal Kotalo t'aidera. Il a été blessé à Cagnard, mais il peut encore être utile. Je l'ai envoyé au nord, dans le village de Garde-Pierre. Va le trouver, et il te mènera à la forteresse du clan du ciel. Si jamais tu as des questions sur ta mission, c'est le moment. Fachav a dit que Regala était votre plus grande erreur. Pourquoi? Cela ne te regarde pas. Vraiment? Je me suis battue contre ces régiments à Cagnard, et j'ignore ce qui la motive. Belle était la plus terrible de mes maréchaux. Le fer de ma lance. Qu'est-il arrivé? Plus que tout, Regala déteste les Karja qui ont brûlé vifs ses frères cadets. Lorsque nous avons repoussé les Raides Rouges et vaincu les régiments de Cagnard, elle a voulu les pourchasser jusqu'à Méridian. Elle ne sait pas ce que peut coûter une guerre, ni ce qu'a apporté la paix après le roi Soleil Dément. Lorsque j'ai accepté le traité avec Avad, elle l'a mal pris, m'a traité de traître, m'a défié devant les maréchaux. Qu'avez-vous fait quand Regala vous a défié? Si tu étais Ténac, tu saurais bien qu'un tel défi ne se refuse pas. Ça n'a pas été simple de la vaincre. Ce combat m'a valu 7 balafres. Les autres maréchaux m'ont demandé de l'exécuter. Mais j'ai réalisé que je ne pouvais pas couper le lien qui nous unit. Sa rage était à la mesure de ce qu'était sa loyauté.
je l'ai épargné. Cette pitié, elle l'a prise comme une humiliation, dont elle ne sera jamais libérée. Je suis navrée pour Fashav. Ça devait être quelqu'un de bien. Bien plus que ça. Il unissait les Ténak et les Karja. Nous n'avions jamais autant respecté un étranger. J'espérais qu'ils seraient ma voix à Méridian. Avec eux, nous aurions pu faire bien plus que la paix. Une alliance ? Des échanges. Les Karja ont de nombreuses ressources. Nos exploits sont gravés sur nos corps avec de l'encre. Nos mémoires meurent avec notre chair. Mais les Karja n'oublient jamais. Leurs exploits sont écrits, éternels. Vous vouliez apprendre d'eux ? Comme j'ai appris de Fashav. Il nous manquera. Donc Regala veut votre mort. En effet. Mais ça ne lui suffira pas. Elle ne trouvera pas le repos tant que les trois clans ne l'aideront pas à marcher sur Méridian. Qui sait ? Avec les machines qu'elle contrôle, elle pourra peut-être raser la ville. D'autres ont déjà essayé. C'est ce qu'on dit. Vous pouvez me parler du Kulrut ? Les clans se battaient entre eux, mais maintenant nous marchons ensemble, contre les machines. Grâce à ma loi qui repose sur le Kulrut. Chaque clan envoie des candidats quand j'annonce la tenue de ce rituel. Ces candidats affrontent des machines lors d'une grande épreuve dans l'arène qui se situe derrière ces murs. Ceux qui parviennent à se distinguer deviennent maréchaux et ils s'emploient à unir la tribu dans la paix. Vous les dites pacifistes, mais les maréchaux que j'ai vus à l'ambassade étaient des guerriers. Des guerriers, oui, mais pas que. Ils renoncent au clan qui les a vus naître pour s'employer au maintien de l'ordre et de la paix. Ils appliquent ma loi, règlent des disputes et représentent les Ténak devant les autres tribus. Sans leur aide, je ne peux régner. C'est pourquoi tu dois t'assurer que le prochain Kulrut ait bien lieu. Pourquoi le clan du Ciel refuse-t-il d'envoyer ses candidats ? De nos trois clans, ce sont eux qui ont la meilleure base, protégés par une muraille appelée le Rempart. Leur commandant estime qu'il peut attendre que Regala et moi réglions nos affaires, à l'abri derrière son mur. Il resterait fort pendant que Regala et vous vous entretuez. Je vois que tu penses en vrai, maréchal. Bien. Pourquoi vouloir m'envoyer voir le clan du Ciel ? Les Ténak respectent la Force, et tu as réussi à repousser Regala à Cagnar. Ça et le fait que vos maréchaux soient décimés ? C'est vrai. Pourquoi pas Kotalo ? Il ne peut pas le faire tout seul ? Il est blessé, il risque de ne plus le respecter. Ça n'est pas très juste. Perdre un bras n'est pas très juste. Qu'il lui montre du respect ou non, Kotalo peut encore servir. Il connaît le clan du Ciel, c'est là qu'il a grandi. Il saura te guider. Vous dites avoir vu ce qui se trouve en bas ? En effet. Ça remonte au jour de ma plus grande victoire. Votre victoire ? Pendant 10 générations, les trois clans se sont battus pour le contrôle de ce lieu sacré. Moi seul ai réussi. Après des années, je me suis imposé face aux autres. Une fois tous mes rivaux éliminés, il ne restait que moi dans le bosquet. Je pensais savourer cette victoire. Je me trompais. Le tonnerre a grondé à l'est. Un éclair bleu est apparu. Juste ici. Gaïa meurt. Et Éther arrive. Autour de moi, les visions du bosquet se sont intensifiées. Et tout à coup, une autre vision m'est apparue. Les anciens m'ont parlé. Et ce qu'ils m'ont dit a tout changé. Que vous ont dit les anciens dans cette nouvelle vision ? La dénommée Faraday a prédit la menace qu'étaient les machines. Elle a dit que seule l'Union nous sauverait. Elle a appelé les maréchaux à œuvrer pour la paix. Puis elle est partie, pour ne plus jamais revenir. J'ai marqué le lieu de la vision avec ma lance. Et j'ai choisi de faire confiance à Faraday. J'ai mis un terme aux guerres de clans.
pour se concentrer sur les machines, et j'ai nommé des maréchaux via le Kulrout. Depuis lors, la tribu vit en paix. Merigala a tout gâché en attaquant Cagnard. Et la pièce, sous le trône, vous y êtes entré par la suite ? Dedans, se trouve un appareil antique, un appareil puissant. Tu pourras venir l'admirer après le Kulrout, je te le promets. J'accepte d'aller au nord, afin de parler à tes côtés. Vous feriez mieux de tenir parole. Tu auras ce que je t'ai promis, en cas de succès. Parle à Deka avant de partir. Elle va t'aider à t'armer pour la route. Caro dit que tu as quelque chose pour moi ? Une arme, pour t'aider dans ta mission. Tu vas en avoir besoin pour atteindre Garde-Pierre. De nombreuses machines rôdent sur la route. Et des éclaireurs de Regala ont aussi été aperçus dans les parages. Des machines et des rebelles. Ce ne sera pas la première fois. Oui, c'est vrai. Va au nord, vers les collines. Tu devras les gravir jusqu'à ce que tes jambes brûlent et que l'air se fasse plus frais. Tu sauras alors que tu es au clan du ciel. Que les 10 guident ton arme à l'œil. D'aide. Il faut que tu aides mon ami. Attends. Doucement. Explique-moi. Lita et moi, on a porté des marchandises de Halith vers le sud quand des machines ont attaqué. Je l'ai laissé derrière moi pour aller chercher de l'aide au bosquet et je suis tombé sur une autre machine. Tu étais là pour m'aider, loué soit les 10. Donc ton ami est encore là-bas, en train de se battre? Mais c'est ce que j'essaie de te dire. Je vais faire de mon mieux pour l'aider. Toi, tu vas aller chercher des renforts. J'y vais. Merci beaucoup. Tenak doit être un peu plus loin. Un traîneau de provisions, sans provisions.
Et 100 soldats Ténac. On dirait que les Ténac ont essayé de sauver des provisions pendant l'attaque. Ils les ont abandonnées en fuyant. Elles me mèneront peut-être à l'autre soldat. Garde ça pour quand j'en aurai besoin. Je croyais qu'on était perdus. Débarrassons-nous de ces machines!